Salut! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un haul Shein, comme vous avez pu le voir dans le titre. Je sais que vous adorez ce genre de vidéo. Moi aussi, j'aime bien ce genre de vidéo. J'aime bien les tourner, j'aime bien les regarder. Cette vidéo est en collaboration avec Shein. Ils m'ont demandé de faire une sélection d'articles sur leur site internet, chose que j'ai faite. Et je vais vous montrer tout ça. J'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de vêtements, bah, toujours d'hiver, des pulls, etc. Il y a des chaussures. Enfin, il y a une paire de chaussures. Enfin voilà, vous verrez tout ça. Comme d'habitude, si quelque chose vous intéresse de ma sélection, n'oubliez pas d'utiliser mon code promo. Je le laisse, il s'affiche à l'écran. Ça vous permettra de bénéficier d'une réduction supplémentaire sur votre panier. C'est pas négligeable, ça fait plaisir. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux, à savoir TikTok et Instagram. Je poste notamment sur TikTok d'autres choses complémentaires à YouTube. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Et n'oubliez pas de me suivre sur YouTube. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas de l'écran. Ça motive, ça fait plaisir. Et comme ça, ça vous permettra de ne pas manquer mes prochains contenus. Je vous laisse également liker la vidéo si ce genre de contenu vous plaît. Et me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous pensez de la sélection. Et nous, on est parti pour le haul. Bien évidemment, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos vers les pièces que je vais vous montrer. Je vous laisserai également toutes les tailles ainsi que les prix. Si ça peut vous aider, je fais à peu près 1m53 pour environ 55-56 kg. Je commence par les articles de maison et ce bol, je vous l'ai déjà présenté plus d'une fois parce que là, du coup, c'est le quatrième que je me suis pris. C'est un gros bol comme ça, mais alors il est magnifique, la qualité, elle est dingue. Et vous avez plusieurs tailles sur le site. Moi, j'ai pris la plus grande taille et je trouve ça trop joli pour, je sais pas, moi, servir des soupes, servir des salades, en bol apéro, enfin, peu importe, mais je trouve qu'il est tellement joli et tellement bien fait. Je l'adore, donc voilà. J'en suis très contente et du coup c'est le quatrième que j'ai. Je me suis pris une parure de lit, alors je vais pas forcément la sortir, vous la verrez à l'écran affiché. Elle est très jolie, franchement très 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 belle et la qualité elle m'a l'air très sympa. Peut-être un petit peu fine mais du coup moi ça me pose pas de soucis, je trouve qu'elle est très jolie, j'aime beaucoup. J'ai hâte de les mettre, de les installer, de vous montrer ce que ça donne vraiment sur un lit en entier, etc. Là, à l'heure actuelle, ben, moi, chez mes parents, j'ai un lit, une place. Donc ça, c'est pour deux personnes, c'est pour des grands lits. Bah, du coup, je vous montrerai ça. Donc n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Je pense que je vous ferai des stories Instagram pour vous montrer ce que ça donne posé sur un lit. Et pour terminer avec la partie maison, enfin je crois que j'ai terminé. C'est, vous savez, les trois petites bouteilles. Je vous ai déjà présenté ça dans un autre haul. Hop. Du coup, je les ai en deux fois. Vous savez, c'est les gros bidons comme ça où vous avez donc... c'est des distributeurs de 500 ml et c'est un lot de 3. Et du coup, j'en ai un de... C'est le deuxième que je me suis pris parce que je trouve ça hyper bien. Vous avez shampoing, gel douche et... après shampoing ou crème pour le corps. J'ai pris un deuxième lot parce que nous avons dans notre appartement un espace baignoire et un espace douche. Du coup, j'aimerais bien qu'il y ait dans les deux espaces ce style de distributeur pour qu'on n'ait pas des produits qui traînent de partout. Ensuite, on va commencer avec les vêtements. Notamment là, on est sur un pull que je crois que j'ai déjà... Alors franchement, ce pull-là, je l'ai... Il me semble que j'ai toutes les couleurs, mais je trouve tellement bien et tellement qualitatif. Il s'affiche à l'écran. Moi, je l'ai pris, je les prends en taille S, il me semble. Et en fait, ils sont élastiques, ils sont tout doux, ils sont vraiment trop trop bien. Du coup, je l'ai pris en bordeaux comme ceci. Il me semble que j'ai pris une autre couleur. Je l'ai pris aussi en vert, mais en vert sapin. C'est pas du tout un vert électrique, c'est vraiment un vert sapin. Je les trouve trop 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 beaux. Il y a le petit col qui monte, enfin, il est incroyable. Je vais les essayer, je vous montre. Voilà pour le bordeaux, la couleur est incroyable, vous avez le petit col montant comme ça. Par contre du coup c'est des petits crop tops, donc soit vous mettez un petit t-shirt en dessous, soit vous mettez un pantalon comme moi la taille haute. Mais je le trouve vraiment trop 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 bien, il est hyper confortable et tout doux, enfin clairement c'est plus, je les kiffe. Je vous montre ce que donne le vert. Et voilà pour le vert, encore une fois j'adore ce style de couleur. Franchement, ils sont très 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 beaux au niveau des teintes et je le trouve incroyable. Comme dit, il est exactement pareil que l'autre, c'est aussi un effet un peu crop top. Il est tout doux, très extensible, enfin, je le kiffe, je le trouve trop 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 beau. On est sur un autre pull, alors celui-là, je le trouvais trop 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 joli aussi. C'est un pull comme ça, effet tache léopard. Et il y avait d'autres couleurs, mais celle-ci, c'était vraiment celle qui me plaisait le plus. Par contre, je l'ai pris en taille S, il m'a l'air assez grand, donc je sais plus s'il y avait une taille XS, mais si vous aimez pas que ça taille super grand, prenez une taille XS si habituellement vous prenez du S. Bon, moi ça me dérange pas plus que ça, voilà, on est en hiver, donc ça me dérange pas. Je vais vous montrer ce qu'il donne porté.
Et voilà pour le pull, il est légèrement resserré au niveau des manches, c'est un pull à col rond. Et là je voulais laisser en dehors du pantalon, mais vous voyez du coup il s'arrête ici, ni trop bas ni trop haut. Moi comme d'habitude un petit peu rentré dans le pantalon, je trouve que ça passe toujours mieux. Et voilà, franchement il est trop 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 joli, je le trouve trop beau, j'adore vraiment ce style. On va enchaîner sur les bas, je me suis pris un bas, alors une jupe, ah voilà. C'est une jupe comme ça. Alors franchement là, elle était du coup dans le carton un petit peu écrasée. C'est une jupe comme ça, patineuse en effet cuir. Je vais l'enfiler parce que sinon vous la verrez pas bien. C'est une taille S. J'espère qu'elle me va. Et comme dit, il faut juste attendre qu'elle se... ça va être défroisse un petit peu. Parce que là, ça fait un petit peu... Ça brille beaucoup avec mon éclairage, mais franchement, elle est super jolie. Enfin, là, moi, je la trouve super sympa. Je vais l'essayer, je vous montre ce que ça donne. J'ai laissé le petit pull pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Le fil qui dépasse. Donc, on va essayer de ne pas faire un carnage. Je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir. Alors, faites pas attention à tout le bordel. Hein. Comme dit, je suis en plein... je suis pas encore en déménagement, mais je suis en plein tri. Donc voilà pour la jupe, franchement elle est très 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 mignonne. Par contre elle est, enfin comme dit, vu que c'est une jupe un peu patineuse, elle est un petit peu courte. Je pense qu'il faut mettre un collant en dessous pour sécuriser vraiment le truc. Même peut-être un petit shorty pour être sûr. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais moi je la trouve super sympa, enfin je kiffe. Je suis très contente. Ensuite, je vais vous montrer les chaussures que je me suis prises. Notamment, je me suis pris celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous les verrez bien, si vous allez bien les voir en vidéo, mais en tout cas, vous avez la photo. Elles sont trop, trop, trop belles. Là, il y a une tirette donc pour pouvoir mieux enfiler la chaussure. Et voilà comment elle se présente au niveau du bas de la semelle. Elle est assez grosse, assez épaisse, mais j'aime bien. Et c'est des bottes qui s'arrêtent au niveau du genou. Alors, je vais l'enfiler. Alors j'ai d'autres bottes de chez Shein que j'avais du mal à enfiler au départ, et en fait au fur et à mesure du temps ça se fait et ça se détend. Donc si jamais, là je sais que j'ai un peu de mal à rentrer dedans, mais après ça va, en fonction du nombre de fois où vous allez les porter, enfin elles vont se faire en fait. Je vais vous montrer, je vais baisser la caméra. Voilà comment elles se présentent du coup. Bon bah j'ai pas mis de collant et tout, mais là vous avez déjà une idée. Franchement elles sont trop 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 belles, et du coup elles s'arrêtent vraiment en dessous du genou quand même, en dessous du genou. Bon, j'en ai mis qu'une hein, mais j'adore, je la trouve super belle. Clairement la qualité, j'ai rien à dire, elles sont incroyables. Et ils en ont vraiment pas mal hein, des bottes. Là je crois que celle que j'ai pris, il y avait d'autres couleurs et tout, il y a d'autres styles avec notamment des semelles moins épaisses, moins grosses et tout. Franchement trop bien. J'ai pris un jeans. J'ai aussi pris des choses pour mon père et ma mère, mais alors ils m'ont déjà tout pris. Mais ouais, ils ont tout pris là déjà, donc j'ai plus en fait. Donc voilà, je me suis pris un jeans comme ça. J'avais déjà pris ce jeans là, mais en noir, et je voulais le prendre en bleu parce que j'en ai pas en fait, j'en ai pas énormément des jeans couleur jeans. Et vous savez, il est fendu au niveau du bas. Il est fendu au niveau du bas et je le trouve trop 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 joli en noir, je le kiffe. Il est hyper confortable et tout, donc du coup je me suis dit pourquoi pas le prendre en couleur jeans. Et donc c'est une taille 36, je vais l'enfiler et je vais vous montrer ce qu'il donne. Je vais baisser la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Donc en fait c'est vraiment un taille haute comme ça. Voilà comment il se présente de dos, franchement il est super beau. Et du coup comme je vous disais, là c'est fendu en bas. Je trouve mais tellement tellement joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est très 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 beau. J'ai pas l'habitude de me voir en jeans, mais j'aime bien. J'aime beaucoup. Ensuite, je me suis pris un lot de leggings. Et en fait, j'ai vu les commentaires, ils avaient l'air incroyables. Et c'est vraiment des basiques. Attendez, faut que je vous montre ça. Bon, ils ont l'air petits. Je sais pas si c'est énorme. Mais c'est une blague. Ah ok d'accord, ils sont ultra extensibles. J'avais trop peur, je les ai pris en taille S. Ah, polyamide élastane. Oui donc c'est des... Ça a l'air tout petit comme ça. C'est des leggings, donc vraiment comme ceci. Ils ont l'air incroyablement petits, mais ils sont extensibles à mort en fait. Ils sont super super extensibles. Et dans le lot que j'ai pris, donc il y en a un beige comme ça, et comme vous pouvez le voir c'est un petit peu côtelé.
ils ont l'air incroyables. J'ai pris du coup un noir, donc vous avez le modèle en noir, et vous avez un marron aussi qui est dedans. Pareil, bah écoutez, je vais accélérer en vous montrant chaque couleur, tout simplement. Hyper confortable et hyper élastique, vraiment trop 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 bien. Je vous laisse avec les couleurs. Ensuite, je me suis pris... Attendez. Hop. Ensuite, je me suis pris une robe. Alors, celle-ci, je vous l'ai déjà présentée. Je l'ai déjà en plusieurs couleurs. Je l'ai en noir, en beige, en marron. Et là, du coup, je voulais la prendre en grise. Et je la trouve tellement belle. Elle est tellement confortable et tellement jolie. Et je trouve que... Bah ouais, je l'adore, en fait. La matière, elle est top. C'est hyper élastique. C'est tout doux. Ça gratte pas. Enfin, bref, elle est incroyable. Du coup, je l'ai pris en gris. Et du coup, bah, je vais vous montrer ce qu'elle donne portée. Voilà pour la robe, je vais vous baisser pour que vous puissiez mieux voir. Voilà pour la robe, je la trouve trop 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 jolie. Enfin, franchement, on est hyper confortable dedans. Elle est fendue à l'arrière par contre, mais je la trouve... Franchement, t'es hyper confortable. Tu peux autant mettre des collants avec des baskets qu'avec des talons, qu'avec des petites bottines. Franchement, ça s'habille en toutes circonstances et c'est hyper confortable, donc j'adore. Aussi un autre leggings. Un autre leggings un peu plus, du coup en autre matière, hein. Un leggings vraiment un peu sport comme ça, regardez un peu la matière. Je vais l'enfiler, je vais vous montrer, c'est vraiment un petit basique. Franchement, nickel. J'aime beaucoup en haut comment ça se finit, c'est un petit peu en effet un peu triangle comme ça, super joli. Et voilà, il va jusqu'en bas, c'est un leggings vraiment très 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 simple mais très bien. Vous montrer les dernières pièces que je me suis prises. Alors c'est que des blazers. J'ai pris 3 blazers et en fait c'est des blazers que j'ai déjà, que j'adore. Franchement, si vous devez prendre devriez prendre des blazers sur Shein, ce serait ceux-là. Et j'ai pris vraiment 3 couleurs, donc c'est exactement les mêmes en taille S, parce que c'est une taille qui me correspond pour les blazers, pour ces blazers là en fait, tout simplement. Ils sont tip top. Donc je vais vous montrer, je vais l'enfiler tout de suite. J'ai pris une couleur comme ça, un peu bleuté gris. Enfin, ça va pas du tout avec ce que j'ai en dessous. En taille S, il taille un petit peu oversize, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment une couleur que je voulais en plus dans la collection des blazers que j'ai de chez eux et cette catégorie-là. Ce modèle exactement, mais je trouve très 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 joli. Donc voilà pour le bleu gris. Ensuite, j'ai pris un deuxième, mais bleu cette fois-ci. Donc vraiment un petit peu plus bleu que ce bleu gris là, vous voyez. C'est légèrement différent. C'est à peu de choses près la même chose. Mais vous savez, vous comme moi, que des fois, c'est un petit détail qui fait la différence. Et notamment là, la nuance de bleu peut tout changer sur une tenue. Donc voilà pour celui-ci. Donc vraiment, la différence, elle est assez minime. Quoique en caméra, ça se voit peut-être un petit peu moins qu'en vrai. En vrai, l'autre est vraiment plus bleu gris, mais vraiment gris. Celui-ci, il est plus bleuté. Plus bleuté quoi. Donc voilà, je les trouve trop jolis ces blazers, mais vraiment. Le dernier, ça fait un moment que j'hésite à le prendre parce que je le trouve très 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 beau et vu les photos qu'il y avait et tout, je me disais mais en fait il a l'air incroyable. Mais c'est vrai que là pour l'hiver c'est peut-être pas la plus belle couleur, mais pour l'été ça va être incroyable. C'est un vert un peu vert pastel, mais ouais, un vert pastel j'irais. Trop 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 joli. Je vous montre ce qu'il donne portée. Et on s'imagine avec un teint plus bronzé parce que clairement, ouais, ça c'est un blazer qu'il faut mettre en été, mais peut-être pas en hiver quoi. Mais la couleur est super jolie. Je pense que vraiment sur les peaux un peu plus métissées que moi, ça peut être très 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 sympa. Mais moi, c'est vraiment, ça fait longtemps que je jetais dessus et je me suis dit bon bah allez hop, on la met avec et on la commande. Comme ça, je l'ai déjà pour cet été. Mais elle est trop belle. Enfin franchement, la coupe est incroyable, la couleur, les couleurs sont très jolies, enfin je kiffe. Voilà du coup pour ma partie try and haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi ça me fait toujours plaisir de vous faire des try and haul. J'espère que la sélection vous aura plu également. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'utiliser le code promo que je vous réaffiche à l'écran si quelque chose vous fait envie. Ça permettra de cumuler ce petit code en plus sur votre panier. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.